depuis 2011, m'a subi en pile violence de M. Valboin, ancien député Valboin, li abuse famille m'a pile, mette 9 moun nan famille nan prison, bay menti que pas famille moi te tiré papal qui c'est pas vrai, fait arrêter moun yo en souche, fait yo aller nan prison port de paix, fait 3 mois à passer misère nan prison port de paix. Et depuis là ça m'a monsieur persécuté famille moi, et m'rivé député monsieur interdit mal dans ses conscriptions moi, il menace violence contre moi, il assassiné un cousin moi, monsieur brûle le tribunal bombardé police là, il brûle 34 cailles en 2011, c'est pression tout le monde connaît bagaille ça dans communauté. Me fait 2 ans député là, c'est avec un pile sécurité m'a sécurisé. Et même collègue moi cap mandé pour qui ça me toujours gain toute sécurité ça yo, c'est toujours ab di yo que c'est non c'est des Valboin qui toujours engagé moun pour assassiner moi, pour faire menace physique. Et ancien député a fait connait que même costume que m'était prêté serment ça avec m'a enterré, c'est inacceptable. Étant ancien député, monsieur doit connait qu'elle pas qu'a fait moun menace ça yo, il pas au-dessus de la loi, pas gain personne y compris moi même qui au-dessus de la loi. Pas gen moun ki au-dessus de la loi, pas ka fin élu, m'a fait travail moi, et puis c'est toujours son paquet de sécurité pour m'a circuler, l'aime dans circonscription moi, c'est ou fait qu'on moun ka comprendre que c'est parce que m'pas populaire dans bombardement police, c'est parce que m'gen problème avec population qui pas vrai du tout. C'est pourtant c'est monsieur gen environ 30 moun qui l'armée, il prend communauté en otage. M'porte au point même menace, il pas acceptable, pas ka député en fonction pour m'a vivre sous pression en grain de monde. Yon grand monde pa ka prendre toute nos communauté en otage, virer tourner citoyen gen yon bagay calomnieux diffamatoire l'abdi de moi. Récemment li circule un message côté que li dit que m'nan caché dans circonscription parce que BLTS avec dit a cherché pour c'est stupéfiant machine officiellement a transporté cocaïne sorti Port-au-Prince à le port de paix régulièrement pour aller vendre aux États-Unis et que le gouvernement américain a cherché moi. C'est inacceptable. Et pas seulement l'a dit bagay ça contre moi, diffamatoire ça yo qui condamné par code pénal là, article 313 code pénal là condamné genre de comportement ça yo. Et monsieur Valboin dit en position, il était en position pour connaître que ça l'a fait yo, c'est méchanceté, c'est illégal, n'est pas acceptable. Et que M. Valboin a invité dans une compétition de violence que m'pa rentre la dedans. Moi-même son citoyen qui toujours gain respect pour la loi et n'importe conflit que m'gain avec monde c'est devant la justice moi m'a résoudre. Moi engagé un cabinet d'avocat après toute menace ça yo, après toute violence ça yo que m'subi, famille m'subi et que m'engage un cabinet d'avocat pour saisir la justice. Contre gens de bagaille ça yo, m'pa ka vivre sous pression, c'est sécurité famille madame moi petite moi tout monde on certaine peur que on bagaille ka arrive yo et que menace tangible et yo fait visiblement verbalement et que la justice mette en mouvement. Et que gagne d'après sa avocat moi dit gagne deux invitations qui t'est faites pour le présenter, le pas présenter et que il y a un mandat d'amener qui est décerné. Et que c'est ça qui est cause arrestation ancien député ailleurs. Bon, pas de monde qui décide de la loi. Monsieur Valboin, tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît son élément qui est extrêmement violent. So, ni dans l'élection, ni dans la société, dans bomba de police. Tout le monde connaît un groupe armé qui est toujours là pour persécuter le monde et pas accepter. La justice pas qu'à accepter. Hier, il a procédé à l'arrestation de M. Valboin. Quand pile collègue député crélé, moi pile l'autre autorité qui relé moi, qui dit bon, comme son ancien collègue député et que il pas qu'à sauver, il est toujours disponible à la justice et il promet pour toujours faire disponible à la justice. Et comment me comprendre bagay là si il y a une liberté provisoire qui bail etc. Me dit bah opposer un tel bagay mais que dossier fait chemin li et que plainte moi yo c'est plainte sérieuse que yo est tentative d'assassinat, menace de mort, diffamation etc. tout
toute une sorte de batterie de plaintes que j'ai contre M. Valboin et que Bagala est devant le cabinet d'instruction et que j'ai un jugement qui fait. Et faut une justice, faut même une justice, et que faut Monsieur Valboin obtempérer avec question violence, hein. Faut que bagarre violence politique t'a cessé dans la communauté, hein. Faut que moi-même, tout étant député, m'ka fait job, moi, librement, sans que c'est pour un paquet, de sécurité qui accompagne toute la sainte journée, et que faut que Monsieur prenne responsabilité, lui, pour cesser question violence, hein. Question de diffamation, lui, question de salve, le fait salve, les gens qui bandit, qui pensait que communauté a c'est pour eux, y'a un monopole de violence. Violence, non, moi, pas apprendre ça dans l'université, moi-même, décider de pas faire violence. Même de quand entraîne dans la spirale violence, lui, avec lui, même pas faire ça. C'est pour ça, nous, la justice, qui c'est plus grand arbitre dans la société. Et c'est exactement voie ça. Je prends bonne voie. Et ou pas bien entendre député Moïse dans la violence. Ou pas bien entendre député Moïse dans faire bagarre qui est arbitraire. Et la justice là, elle est là pour nous toutes. Et pas de monde qui décide la loi.